Bonjour tout le monde, jeudi à ce vendredi 6 avril 2018, bienvenue dans l'édition Nouvelle-Za. Mes principales informations, on a bien pour nous développer dans le journal là. 1000 agents sont en communauté polyvalente déployés jeudi 5 avril là sur tout le territoire pays. Ce ministère de santé publique et population en tête collée avec représentant OPS-OMS en Haïti qui fait déploiement ça dans la cérémonie qui déroulait dans Port-au-Prince. Financer l'agribusiness en Haïti, c'est thème responsable groupe croissance sur Kimbé pour organiser 8e édition sommet international sur financement. Activité simple réalisée sorti 9 pour arriver 14 avril 2018. Président du Sénat République, Joseph Lambert, déclaré qu'il y a nécessité pour un remaniement qui fait dans le cabinet ministériel. Là. Sénateur Lambert, qui reconnaît ses prérogatives exécutives pour faire remaniement, souhaitait exécutif là consulter sur question ça. C'est un téléspectateur développement information, ça y est, à Campilot. Si à pas pause là, nous invitons à rester branchés. Merci pour fidélité et attention. Bienvenue dans le développement journal. 5e promotion commissaire Académie nationale police la gradée jeudi 5 avril 2018 là. Cérémonie en déroulée en présence Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, au commandement police nationale d'Haïti, parlementaire représentant secteur droit monde, partenaire international famille et amis récipiendaire. Nous invitons à suivre un compte rendu à Rachel Saint-Fort et puis Michel Joseph. C'est 72 commissaires femmes mélangées à garçons qui graduent aujourd'hui à l'auditorium l'école nationale police là. 72 cadres qui sortent dans direction technique différents départements dans le pays a quitté inspecteur pour venir commissaire d'après explication responsable. Pendant environ 9 mois, commissaire ça a suivi une formation sous différents modules tant que éthique, gestion administrative, ressources humaines, matériel, leadership et droit. Directeur général police nationale d'Haïti, Amike, intervenu, professeur, tout le monde qui a contribué dans la formation commissaire. DGPNH l'a mandé récipient d'ailleurs pour développer sens communication et service public dans l'exercice fonction. Cette formation qui donne droit au diplôme de gestion appliqué à la police et à la sécurité visait à mettre à disposition de la PNH des gestionnaires de la sécurité publique responsable et imbu des enjeux et défis associés à la sécurité, au développement économique national et aux droits humains. Aujourd'hui, nous voici au terme de notre objectif. Ils sont prêts. Prêts pour accompagner, Monsieur le Premier ministre, vos politiques publiques en matière de développement économique, de justice, de sécurité et des droits humains et autres. Chers récipiendaires, après 9 mois, long comme 9 éternités, direz-vous, l'heure est enfin arrivée de tirer sa révérence et de dire adieu à ce monde d'enseignement, apprentissage, de contraintes et de pressions. Vous allez recevoir un parchemin bien mérité qui couronne un cycle d'études. Mais il ne sera qu'une présomption de connaissance. Après la vie de l'école, l'important pour nous, c'est surtout le comportement que vous allez afficher à l'école de la vie. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Le savoir ne doit pas évoluer en solo. Il doit se faire accompagner du savoir devenir et du savoir être. On va vous suivre de près et même de très près. Ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, André Fournette, félicite les récipiendaires qui boucle la formation ça pendant lui expliquer volonté gouvernement Canada pour continuer à renforcer collaboration, partenariat avec le pays d'Haïti dans le domaine de sécurité. Notre approche est de travailler ensemble dans un contexte de responsabilité mutuelle pour maximiser l'utilisation efficace des ressources et l'atteinte des résultats. De ce fait, le Canada est fier d'être impliqué dans ce moment historique, la graduation de 72 commissaires qui retourneront à leur commissariat avec une formation hautement professionnelle grâce aux efforts de plusieurs intervenants et formateurs rassemblés aujourd'hui. Dans l'occasion, le Premier ministre a demandé au commissaire pour remplir la fonction dans le respect de la loi, pour
pour faire honneur à l'institution et puis afficher un comportement qui a inspiré confiance population. Ces valeurs doivent vous renvoyer à la discipline dans un souci constant d'efficacité et d'efficience, à l'intégrité avec un sens aigu de moralité devant guider vos actions et un désir insatiable de servir d'exemple, de modèle pour votre pays, votre institution, votre famille et votre communauté. À l'engagement avec le rejet du laxisme et de la passivité, éveillant chez l'individu le sens du devoir et de la participation à une mission collective, institutionnelle ou nationale, à l'intérieur d'un groupe ou d'une structure. Au respect de l'accomplissement de son devoir, au sens de l'excellence, avec le désir permanent de bien faire et de chercher à s'améliorer en se comparant au meilleur dans son domaine, tout en voulant être le meilleur. Directeur général Michel Angédéon fait qu'on est institution policière à progresser, la renforcer dans tout niveau pour assurer l'élève là. Malgré difficultés, l'institution a fait face. Responsables ont expliqué et a continué de travailler pour professionnaliser la police nationale là, pour établir un climat de sécurité et puis améliorer les services à offrir la population. Jean t'a annoncé l'antique d'un président de la République, là, sénateur Joseph Lambert, parler sous nécessité pour remaniement fait dans le cabinet ministériel. Là. Sénateur Lambert dit, jusqu'à présent, exécutif là pour consulter sous question ça, même s'il reconnaît ses prérogatives exécutives là pour faire remaniement. Si toutefois, le président de la République n'a pas consulté le Parlement, selon Joseph Lambert, parlementaire a bien pour demander exécutif là présenter les nouveaux ministres pour vérifier le dossier. L'invite au suivant extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. Le gouvernement est essoufflé. Il faut du sang neuf. Il faut du sang neuf et nous croyons qu'il y a une volonté pour faire un remaniement ministériel. Même nous dit qu'on replâtrage, etc. Sous combien de ministres, pas combien de ministres, moi-même personnellement, tant que je t'ai dit, étant donné que nous pouvons consulter de façon formelle, tout comme le président doit choisir tout pour pouvoir consulter à M. Damio, il y a éventuellement. Et puis pour nous garder, pour nous voir, si pas un Tchécoslovaque là-dedans, si pas un Tchèque, si pas un Russe, et puis pour nous garder, pour nous voir, est-ce que nous sommes le ministre, est-ce que nous sommes le ministre. Je t'ai suggéré vivement à ce que, vu la bonne entente qu'il y a aujourd'hui entre le pouvoir qui a dégagé, entre le pouvoir législatif là, avec le pouvoir exécutif là, il y a deux bons temps pour que, au moins, nous toujours qu'imbé relation ça. Mais c'est l'exécutif qui a choisi pour connaître qui j'en ai aimé qui a des relations. Et c'est nous-mêmes, tout bon côté, pas nous capables de déterminer tout quel type de relation tout harmonieux. Président de la République l'a confirmé depuis après retraite dans le parlementaire pour jouer une harmonie dans le temps grand quoi. Sénat a commencé à fonctionner côté arrivé voter plusieurs textes loi. Parmi les textes, il y a un amendement code commerce là avec votre loi sur reconnaissance acquis professionnel. Pour qu'on y ait un parlementaire, il travaille sur environ 15 textes loi. 10 là dans yo fait partie priorité gouvernement qui est inscrit dans l'agenda législatif là. Dans ce sens, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a déposé projet de loi sur organisation, administration de l'État, projet de loi qui a financé et statut général. Fonction publique là. Un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. Amendement code pénal là qui fait, avec, pas code pénal, code commerçant qui fait en ces articles 1 et 2 et qui baille droit à un ensemble d'étrangers qui avaient venu faire commerce dans le pays là, et bien activité commerciale nous a conduit librement. Et lui permet tout que nous essayons de formaliser le secteur là. Pour que l'on marchand li là li la vente mon cap fait commerce etc li bon côté que le cas enregistré tel le ministère commerce a connaît que li existait en tant que commerçant nous te débattons et voter loi sur question acquis professionnel
qui loyer son loi qui permet que bon ensemble de monde qui doit pas faire bac 1 ou pas faire bac 2 et autres, etc., mais qui est suffisamment compétent et qui dans ce secteur a tellement longtemps et qui est capable d'offrir service dans le système éducatif là. Il n'est pas fermé porte là sous mon yo alors que compétence là l'INA. Et c'est un exemple dans différents domaines. Dans différents domaines. Et nous allons tout pour nous dire que hier, ou bien avant-hier, nous voté tout loi sur qui a un rapport avec intégration dans l'éducation, la notion de citoyenneté dans le curriculum école pays d'Haïti. C'est le retour, ça comme ça, à la notion de civisme, de citoyenneté, de solidarité, de droit, de devoir, de respect des biens d'autrui et autres, etc. Et assemblée a gagné, je viens jeudi à voter ensemble texte là. Et enlever le rideau, Premier ministre, pour lui faire dépôt ensemble de projets de loi, projet de loi portant organisation de l'administration de l'État, et projet de loi qui fixe les statuts, organisation et fonctionnement du Fonds de solidarité nationale pour l'intégration des personnes handicapées, et puis un projet de loi tout fixant le statut général de la fonction publique. C'est des projets de loi qui sont extrêmement importants et que nous estimons qui entrent dans la priorité du gouvernement. L'autre information dans le journal, là, dans le rapport Banque Centrale présenté sur transactions d'argent réalisées dans le pays, sorti 2015 pour arriver 2017, département Nord-Est, Grand-Anse, ACNIP, c'est côté où on fait moins de transactions la banque. C'est président, directeur général de croissance, Christian Farel, qui portait précision ça. D'après économiste lan, chiffre yo montre gen plis moun ka viv nan situation difficile nan 3 département sa yo en Haïti. Johnny Arbicaseus a présenté nous un reportage. Malgré les efforts qu'a fait pour moderniser le secteur financier en Haïti, yon bon parti nan population a toujours pour gen accès à services financiers de base. Ces déclarations, président directeur général groupe croissance dans Kessner Farel fait pendant l'étape présentée, un rapport Banque Centrale fait sorti sous transaction l'argent la banque dans différents départements en d'un pays à sorti 2015 pour arriver 2017. Dans le tableau, ça, département l'Ouest, Nord, Aklatibonite, dans tête plus région, côté moun plus fait rentrer sorti la banque. Tandis que Nip, Grand-Anse et Nord-Est dans quelques camionnettes. Tête pyramide dans ce département de l'Ouest. C'est lui-même qui est plus, nous pas capable de dire, comme en d'un banque. Donc, le département de l'Ouest, je ne vais pas parler de fonds verts, mes amis, je ne vais pas parler de gratuit parce que je ne vais pas avoir déjà. Je vais parler de la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince. Après-midi, j'allais faire mes banques, sous 100 gouttes qui déposent dans le système, là, 82 après la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, nous voyons cette tête pyramide. Il y a trois départements qui sont en deuxième catégorie. Le département de l'Ouest qui a amélioré considérablement, à 17 millions de gouttes. Ensuite, nous avons l'Antibonite qui suit après nous là. Et le sud qui est même trouvé dans la quatrième position. Donc c'est la deuxième catégorie. Et troisième catégorie, nous avons le nord-ouest, nous avons le sud-est et nous avons le centre. Il y a même autour de 2 milliards de gouttes de dépôt pour année ça. Et la base, là, la pénurie de pauvreté, extrême pauvreté, et bien nous parlons du département Sahara qui est en rouge là, et bien il y a autour de 1,5 milliard de gouttes de dépôt dans le système bancaire. Selon Donéo, NIP, Grand-Anse et Nord-Est, il y a plus de monde qui est dans la situation de pauvreté dans le pays. L'argent qui est alloué pour la région Sayo dans le budget a pacifié pour répondre à des besoins de la population. Si le monde n'est pas capable de donner satisfaction, il va commencer à migrer vers Cap-Haïtien, le Nord. Si il n'est pas satisfait, il descend. Si il n'est pas satisfait, il prend un avion, il quitte. Donc, en ce sens, la migration est très forte. Le secteur urbain commence à renforcer de plus en plus parce que l'or ignore le secteur urbain. Là, on va faire investissement là-dedans, donc ça peut poser de sérieuses difficultés. Économiste Kessner Farel, rete quoi il est nécessaire pour parlementaire pencher sur cas région qui gagne plus de difficultés dans le pays. Selon lui, 8e sommet sous finance a occasion pour attirer l'attention sur la nécessité qui gagne pour faire plus bon genre allocation dans le prochain budget. Merci Abi à Marseille.
financer l'agribusiness en Haïti, c'est thème responsable groupe croissance Yokembe pour organiser 8e édition sommet international sur financement. Activité ça qu'a réalisé sorti 9 pour arriver 14 avril 2018 à occasion pour participants yo brasser l'idée sur problème agriculteur rencontré et puis garder ensemble possibilité pour rendre secteur ça plus rentable. Un extrait dans micro John Herbie Casseus. Lundi, nous pourrons lancer sommet à la Caribe Convention Center, c'est là que toujours commencé et c'est là toujours et fait pendant toute semaine. Là. Avec la finance municipale, on a une centaine de maires qui ont fait déplacement pour nous faire réflexion sur la décentralisation, amélioration, ça n'est pas capable de l'administration publique locale là, pour renforcer la finance municipale là. Mardi, thème sommet, nous entendons déjà, c'est financer la agribusiness en Haïti. Chaque année, nous avons un thème et en essence, c'est la agribusiness que nous ciblons. Pour la simple et bonne raison que nous connaissons que la population croît de manière considérable et au lieu que nous produisons manger pour nous-mêmes, c'est important d'importer. Débat de dollarisation entre là-dedans tout. Je dis, on a importé pour près de 5 milliards de dollars américains de produits en général et on a rapproché de près de 1 milliard de dollars américains de produits alimentaires. Le produit n'a qu'à faire la canon, mais on a importé. Donc, si nous sommes capables de favoriser le financement dans le secteur, ça, moderniser-le, donc comment réduire les importations alimentaires de ce pays et pourquoi pas produire beaucoup plus pour nous vendre, pour nous capables d'augmenter les exportations également. Mercredi, c'est pas la finance publique, le ministère de l'économie et de la finance qui a fait un sommet, ça, nous parlons des Nations Unies également, le PNUD, qui va montrer nous ODDO, Objectif de développement durable. Le financement international n'a pas gagné intention, bonne COP pour 2030, là. C'est nous pour gonfler pour être notre travail, mobiliser les ressources locales. Parce que l'assistance internationale a diminué, comme nous déjà en le budget. Jeudi, c'est pour la journée du système bancaire, côté que le gouverneur Banque Centrale a toujours prononcé un gros discours pour le monde de politique monétaire actuelle, là, cash management et les perspectives, parce que nous avons mis temps l'exercice fiscal là, les 6 prochains mois. Donc, pour faire finance municipale là, d'abord le jeudi, le mercredi, pardon, et le jeudi, nous fait politique monétaire là. Et vendredi, dans Caribéa, nous parlons d'assurance, assurance récolte, assurance agricole, qui va présenter nous exactement comment la situation est. Là, un secteur qui est tellement risqué, lorsqu'on parle d'agriculture, et comme nous connaissons le changement climatique, qui a posé un pile problème pour les pays de la Caraïbe, dernière réunion Caraïbe, comme nous avons dit ça clairement, et pour nous capables de mettre un support à monde qui a perdu du corps en agriculture. Ministère Santé publique et population en tête collée avec représentants OPS OMS en Haïti yo déployé environ 1000 agents santé communautaire polyvalents sur tout pays a. Cérémonie en déroulé dans centre convent présence plusieurs cadres avec employés dans domaine santé. Dans occasion en responsable dans direction protection santé et protection environnement remettre autorité qui était participé dans cérémonie ça documents, programmes, y a bien pour exécuter souterrain. Un reportage avec Palan Delphin. Mille agents dans quatre campagnes ministères menées pour gagner une couverture universelle santé. À travers agents santé communautaire, ministère avle plus proche population, ça cap faciliter travail avec service MSPP arrivé dans zone difficile yo. Ministre Santé publique avec population, Dr. Marie Greta Roy Clément, montre importance programme ça gagner dans société ya. Couverture totale du pays en ESF, le système sanitaire haïtien aura besoin en moyenne de 8000 ASCP, 533 auxiliaires infirmières polyvalentes AIP pour l'encadrement de proximité des ASCP, 267 infirmières, 133 médecins. Il nous reste beaucoup à faire pour atteindre ces objectifs. Certaines étapes ont pu être franchies grâce à la ténacité des cadres du MSPP appuyés par plusieurs de nos partenaires. ASCP, moi pense que c'est important pour me changer langue, pour me parler dans la langue maman, pour me parler avec nous. Je dis, le ministère l'a présenté nous officiellement devant la presse, devant moun ki la yo, devant population comme travailleur la santé. Ça veut dire un pile bagage. Nous là pour nous barrer seulement dans quelque soit circonstance là. Ministère pas tolérer aucun de nous agit comme vagabond. Plusieurs agents santé communautaire polyvalent montrent volonté et disponibilité pour accomplir travail ça yo dit
agence a yo di yo konté sou série formation ministère pour permettre yo bay population un pi bon service. Nous c'est moun ki formé, nous c'est moun ki habitué et fait terrain déjà, donc nous passé initiative ça qui va permettre nous faire travail la plus efficace dans communauté a. Et puis ça et communauté a pas tendre de nous pour que nous faire le maximum effort pour que nous même nous accompagner dans communauté. Avant l'homme vin la caillou, yon jamais parlé avant pour accepter, me sou pas accepter tout, m'a accepté parce que ça li nan domaine moi. Puisque nous gen ça qui est éthique, chaque profession gen éthique pal, nous même nous gen éthique pour nous aller la caillou pour nous pour accepter nous. Et puis chaque moun va parler avec, chaque moun gen intérêt dans yon bagage. Si ou pa gen intérêt dans bagage, pas obligé parler. Donc ma foi ou intérêt dans ça m'bal di ou là, si ou pa intérêt là, n'est pas obligé d'entendre me connia. Programme accompagnement proximité sanitaire ça, jwenn racine li dans constitution OMS té adopté dans l'année 1948 pour permettre service santé accessible à tout moun sans yo pa payer 5 kob. Foot fort de Beau si jeudi 5 avril là yon protocole accord avec ambassade Chine Taiwan. À cause ça concerné 600 tonnes métriques d'iri responsable foot fort de Beau a bien pour partager avec ministère affaires sociales dans cadre programme assistance alimentaire gouvernement mette sous pied. Responsable foot fort de Beau monseigneur OG Beauvoir remercier autorité Chine Taiwan qui facilite yo nan contribution alimentaire yo habitier bay pour programme cantine scolaire nan asil yo ak pou moun handicapé ak l'autre moun ki nan besoin. Nous invitons suivre. Chaque année, Taiwan ban nou du riz pour 7 mois pour nous capable aider moun ki plus nan besoin nan population. Je dis à cette 11e édition CA du protocole d'Akosa qui pour un total de 6100 tonnes métriques de riz que le gouvernement avec le peuple taïwanais mettait à la disposition Food for the Poor pour capable servir les gens qui en ont besoin. Dans 6100 tonnes métriques, il y a 5600 qui pour Food for the Poor proprement dit, et puis il y a 500 tonnes qui pour le ministère des Affaires sociales et travail. C'est un partenariat qui est important pour nous en pile, parce que 5600 venus pour nous, les bonnes à peu près 7 cargaisons de 40 containers chaque pour nous capables d'aider si nous sommes dans l'école. Parce que depuis le mois de septembre 2017, nous prenons un virage. Certes, nous continuons à desservir les églises, les paroisses, les presbytères, les pasteurs, les pères, associations communautaires qui ont besoin, les orphelinats. Mais nous faisons un zoom sur un programme assistance alimentaire aux écoles. Et dans Taïwan, ça facilite nous quand on fait travailler ça. Donc, c'est un appui énorme notre travail Food for the Poor a fait du côté de distribution alimentaire dans le pays. Yon rappel nan tit nou te devlope yo avan nou mete bout nan jounal la. Mil agans sante komite, 8e edisyon soma internasyonal sou finans lan. Aktivite sa ap realize soti 9 pou rive 14 avril 2018. Président Sénat République là Joseph Lambert déclaré il y a nécessité pour gain remaniement qui fait dans cabinet ministériel là. Sénateur Lambert qui reconnaît ses prérogatives exécutif là pour faire remaniement souhaité exécutif là consulter la sous question ça. Et bien voilà amis téléspectateurs, cela nous mettait bout dans journal là pour jeudi à. Merci pour fidélité ou attention, nous invitons rester branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bonne journée et bon week-end tout le monde.